Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Non mais franchement, cette chaleur est intenable les amis, je me lève à peine et je transpire déjà, c'est trop une dinguerie. Enfin, bon, je suis pas là pour parler de ça. En effet, le tome 106 de One Piece est sorti la semaine dernière au Japon. Et comme d'hab, je vais vous faire part de toutes les informations nécessaires. Et aussi les moins nécessaires, mais bon, vous avez l'habitude maintenant. Alors, on va pas perdre un instant, mais avant de parler de tout ça, un mot sur la couverture du tome 106 qui est absolument divine. Elle est splendide. Rien à dire là-dessus. Maintenant, on peut commencer avec les informations. Première info, quelque chose qu'on savait déjà, mais que Oda s'est senti obligé de préciser. Les gens pétrifiés par le S-Neck, le séraphin d'Angkok, la trouvent adorable comme on trouve un bébé ou un enfant mignon. Pourquoi le mangaka a-t-il été obligé de le préciser? Parce qu'il y avait des malades qui pensaient le contraire. Ouais, au secours la pédophilie quoi, à vomir, non mais vraiment. Maintenant, débat clos, donc on la ferme. Je ne sais même pas pourquoi il y avait des gens qui pensaient ça. Ah, ça m'écœure rien que d'y penser, quoi. Et quand je pense qu'Oda a été obligé d'éclaircir ça, c'est chaud quand même. Ah, cette partie de la communauté One Piece est vraiment écœurante. Et il n'y a pas que dans One Piece, mais bon, là n'est pas le sujet. Quand un lecteur a demandé à Oda qui entre Shanks et Beckman est le plus populaire avec les filles, il a répondu ceci. Shanks est probablement le plus populaire, mais Beckman est celui qui flirte le plus. Après tout, Beckman aime les femmes. Et si c'était lui le père du gamin de Makino? Vu que c'est un charo alors. Ah ouais, je viens de penser à ça là. Et puis calmez-vous, ça ne veut pas dire que Shanks est gay, hein. Il est juste comme Luffy. Parce qu'il y en a qui, avec cette information, ont déduit que Shanks était gay, mais... Non, il est juste comme Luffy, quoi. Et Beckman, c'est Sanji, mais beaucoup, beaucoup plus populaire. Enfin, Oda a révélé le passé de Sentomaru. Dans un village de bûcherons, en forêt, un petit garçon trop fort était moqué pour sa force. Ayant aperçu les prouesses du jeune Sumo face à des ours, Vegapunk en personne, le prit sous son aile pour en faire son garde du corps personnel. L'éveil du pouvoir de l'eau a aussi été expliqué. Un lecteur a demandé si le cas de Karum était lié à son Kikoku, donc son épée. Sauf que Oda a dit que le cas de Karum vient de Knife. Couteau en anglais. La Karum permet à l'eau de connecter son Kikoku à une room à distance et d'y opérer sans y être. Ça ne semble pas tout à fait clair, mais si c'est confus, c'est normal, a précisé Oda. Voici ce que aurait dit Nami à ce moment-là, du moins ce qui y ressemble, selon Oda. Tu fais moi le malin, monsieur, j'étais le boss quand il s'agissait de pourrir notre Robin à Ignis Lobby. Ouais, j'approuve totalement ça. L'intégralité du CP9 fait désormais partie du CP0. Et ceux disposant de masques sont très puissants, comme Luffy, Kaku, Stussy. En gros, ceux avec les masques ont un niveau de force supérieur aux autres qui n'en possèdent pas. Oda a parlé du fait qu'il dessine beaucoup de fesses à Egghead. Sans commentaire à ce sujet-là, les amis. Un lecteur a demandé à Oda à quoi ressemblerait Brook plusieurs années plus tard, dans 20-40 ans. Et Oda, il a simplement dessiné la tête d'un Brook en mettant x4 à côté, en indiquant que, quoi qu'il arrive, Brook ne change pas, même si quelque chose de mal se passe. Vous savez, quand il dessine les Mugiwara à 40-60 ans, s'ils ont bien tourné, s'ils ont mal tourné et tout, bah là c'est pareil, sauf qu'il y a juste une tête de Brook avec écrit x4, parce que le squelette ne change pas. Le trident de Katakuri, Mogura et l'épée Kikoku de l'eau ont été dessinés en forme humaine. Ouais. J'ai voulu vous le mettre,
J'ai pas décidé de vous épargner sur ce coup-là. La justice de Fujitora, c'est la justice honorable. Alors que celle de Ryokugu, c'est la justice mortelle. Bah, ça m'étonne même pas. Quand un lecteur a demandé à Oda si Aramaki, donc Ryokugu, est capable de photosynthèse, vu qu'il est, je cite, la forêt, en gros, tant qu'il reçoit des nutriments, il n'a pas besoin de manger, Oda a approuvé avec un seul mot. Absolument. Voilà. Oda révèle que le passé d'Aramaki doit être triste pour porter un tel tatouage sur son torse. Et on a des explications de quelque chose d'intéressant. Shinagawa Shinju, ou le suicide des amoureux de Shinagawa. Il s'agit là du titre d'une pièce de Rakugo où une prostituée trop âgée et ruinée souhaite se suicider. Ben, très joyeux au premier abord. Ayant convaincu un jeune homme de partir avec elle en sautant d'un pont, l'homme refuse au dernier moment, mais la prostituée l'a poussé. Avant de sauter à son tour, un messager lui apporte l'annonce qu'un peu d'argent est arrivé et ravi, l'idée de se donner la mort lui parut soudainement ridicule et repart à ses activités. Quelle est la morale de cette histoire, les amis? Donc, à mon avis, Aramaki a subi quelque chose de similaire. Il a suivi une meuf dans la mort, il a été poussé, mais a survécu aussi. Ouais, bah c'est pas ouf, hein, si vous voulez mon avis. J'aurais presque de la peine pour lui si ce n'était pas un connard. Bah quoi? Ryokugu, c'est un connard? Sérieusement, si vous avez lu les chapitres, c'est un connard total. Ouais. Dans le chapitre 1061, on peut voir des ballons attachés à la base G14, et Oda a expliqué que, pour que les enfants victimes de Punk Hazard se sentent en sécurité, la vice-amiral Doll a donné l'ordre d'acheter des ballons. Et je trouve ça vraiment adorable. Ces pauvres enfants n'ont pas mérité ce qui leur arrive, quoi. Je maudis César pour ça, je te jure. Je le maudis. Et enfin, bah, dernière info, mais bon, pas des moindres, hein. Oda a fait le classement des meilleurs buveurs parmi les Mugiwara. Déjà, top 3, on a Jinbe en premier, Zoro en deuxième, et enfin Nami en troisième. Pour ce qui est du reste, on a Franky en 4, Sanji en 5, Robin en 6, Brook en 7, Usopp en 8, Luffy en 9. Oda dit même que Luffy a du potentiel, mais bon, on sait très bien que c'est la nourriture avant tout pour lui. Et enfin, en dernier, en 10e, on a Chopper, évidemment. C'est intéressant de savoir ça, mine de rien. Bon, c'est à peu près tout, les amis. J'ai parlé de toutes les informations. Oui, j'en ai oublié aucune. Même des informations les moins intéressantes concernant Brook dans 20 ou 40 ans, ou bien le Kikoku et le Mogura en forme humaine, ou encore la partie fesse. Mais bon, ça, bon, on connaît Oda. Ben voilà, il y a des informations beaucoup plus intéressantes, comme par exemple le passé d'Aramaki qu'on peut imaginer via cette pièce de Rakugo. Ou encore l'information sur Sentomaru, sur son passé et comment il est devenu le garde du corps de Vegapunk. L'éveil du pouvoir de l'eau, même si c'est très très loin d'être clair. Et le fait que Oda a été obligé de préciser ça pour le Séraphin d'Hancock. Quand même quoi, c'est vraiment abusé. Quelle est votre information préférée les amis? J'ai hâte de le savoir du coup. D'ailleurs, One Piece revient cette semaine et de ce que j'ai lu ce mois-ci et le mois prochain, ça va être une dinguerie totale pour nous fans de One Piece. Soyez prêts, c'est tout ce que je peux vous dire les amis. En tout cas, il est temps pour moi de vous laisser ici. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire en me donnant votre avis là-dessus. Qu'est-ce que vous pensez de ces informations? Est-ce que pour vous, Oda était vraiment obligé de préciser que les gens pétrifiés par le S-Neck la trouvaient juste adorable comme on trouve un enfant ou un bébé mignon?
franchement, je suis dubitatif, mais dans un sens, il a bien fait, parce que les gens auraient continué à dire des trucs horribles et dégueulasses. Rien que de penser à ça, j'ai envie de vomir. Ouais, et la chaleur aussi me donne envie de vomir, ça je peux vous le dire. Enfin bon. En plus, t'as commenté, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, bien évidemment, c'est toujours encourageant. Vous pouvez évidemment me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont dans la description. Et évidemment, le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Bye bye!